La République centrafricaine est en conflit depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a eu beaucoup de processus de réconciliation en République centrafricaine. Malgré tous ces processus de réconciliation, les conflits ont continué. Ça veut dire que nous n'avons pas eu la bonne approche de la réconciliation. En tant que leader d'opinion, j'ai été impliqué à tous les processus de réconciliation et de résolution des conflits dans mon pays. J'ai constaté simplement qu'on réunissait l'élite dirigeante, la classe politique, pour essayer de résoudre les problèmes. Et les populations n'étaient pas consultées et les populations n'étaient pas concernées par tous les efforts de réconciliation et de consolidation de la paix. Alors j'ai pensé qu'il fallait changer la manière de régler nos conflits en commençant par une réconciliation à la base. Il faut que les acteurs concernés, qui sont les populations, se sentent engagés et impliqués dans le processus de réconciliation. Nous avons eu des fractures sociales entre les communautés. Si ces communautés ne commencent pas par apprendre, réapprendre à vivre ensemble, à se parler, à se pardonner, nous n'atteindrons jamais une véritable réconciliation. Car si on laisse à l'élite et à la classe politique et aux groupes armés le soin de résoudre les problèmes des populations, les résultats seraient totalement faussés. La femme a un rôle très important à jouer dans la résolution des conflits. De par sa sensibilité de femme, de mère, elle peut encourager la cohésion sociale, elle peut porter des messages de paix et souvent c'est elle qui essaye d'assumer les responsabilités familiales pendant que les hommes font la guerre. Dans les moments les plus difficiles de conflit, quand on est dans l'impasse et que tout est bloqué, la femme peut, par son action, essayer de résoudre les difficultés. Quand j'ai senti que la République centrafricaine risquait d'être dans l'impasse, j'ai pensé que seul un leadership féminin pouvait essayer de sortir les Centrafricains des violences et des conflits que nous avons connus depuis 2 ans environ. Mais pour arriver à ce niveau de leadership, il faut avoir un parcours. Il faut déjà avoir une éducation. Et la plupart des femmes en Afrique n'ont pas la chance d'avoir une éducation. Ensuite, il faut avoir une vision. Il faut être engagé. Il faut être disponible pour sa famille, pour sa communauté et pour son pays. Et je pense que c'est le message que je donne aux femmes. Il faut qu'elles arrachent leurs droits. Personne ne leur ferait des cadeaux. Et pour arracher ces droits, il faut travailler dur. Il faut s'engager. Et il faut avoir la capacité de résister. Car évoluer dans un milieu d'hommes n'est pas facile pour une femme qui dirige un pays. Absolument. Il y a un lien incontestable entre réconciliation et justice transitionnelle. Pour que les populations se sentent rassurées, pour que les populations commencent à oublier les violences qu'elles ont vécues, les difficultés dans lesquelles elles ont évolué pendant le conflit, il faut qu'il y ait une justice. Et il faut que les bourreaux des populations puissent répondre de leurs actes. Si ceux qui ont commis des exactions continuent à évoluer dans l'impunité, les populations ne peuvent pas faire leur deuil et accepter
une réconciliation. Il est très important de promouvoir la justice et la réparation après les conflits. La République centrafricaine est un pays type de fragilité pour plusieurs raisons. Déjà, il est en conflit depuis plusieurs années. Du fait des conflits, l'État a totalement failli. L'État n'a plus les attributs d'un État normal. L'État n'a plus l'autorité pour s'affirmer. L'État n'est plus présent dans le pays. La République centrafricaine est également un État fragile parce que ses populations sont dans la pauvreté et vivent dans la précarité. Et quand les populations sont dans la pauvreté et vivent dans la précarité, les conflits émergent très facilement. L'État centrafricain est également en fragilité parce que ces communautés ne vivent plus en communion comme à l'époque. Donc nous avons plusieurs facteurs de fragilité en ce qui concerne donc le développement économique également, puisque tout le tissu économique est totalement effondré. Il n'y a donc pas de possibilité d'emploi pour les jeunes, pour les femmes, qui se sentent donc en marge de la population et qui sont facilement instrumentalisées et qui donc encouragent ainsi les conflits. Nous avons, dans le cadre des efforts pour sortir de la fragilité, fait appel à la communauté internationale. Et la communauté internationale nous a accompagnés dans nos efforts pour sortir de cette fragilité. De nombreux défis ont été relevés, mais il en reste encore beaucoup, notamment le défi sécuritaire, les défis humanitaires et les défis de développement. Et nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que nos partenaires techniques et financiers nous accompagnent jusqu'à la fin de la transition, mais surtout soutiennent les nouvelles autorités qui vont arriver, pour que tout l'effort qui a été produit par la communauté internationale ne puisse pas tomber à l'eau. En fait, ce n'est pas la religion en tant que telle qui a contribué au conflit en République centrafricaine. Ce sont les politiques et les groupes armés qui ont instrumentalisé les populations à travers la religion. Les populations centrafricaines, qui sont de religions diverses, ont toujours vécu en harmonie. Mais pour des raisons politiques, on a essayé de diviser artificiellement les Centrafricains. La population a compris qu'elle a été instrumentalisée. Et ce sont justement les acteurs religieux qui maintenant s'impliquent pour que plus jamais la religion ne soit un vecteur de séparation entre elles. Le seul conseil que je peux lui donner, parce que c'est quand même un homme d'État qui a une expérience de la gestion de la chose publique et qui revient aux affaires, le seul conseil que je peux lui donner, c'est que sa victoire ne soit pas la victoire d'un camp, mais la victoire de tout un peuple, du peuple centrafricain, qui s'est battu à travers les élections paisibles à permettre à la République centrafricaine de renouer avec l'ordre constitutionnel. Sans le retour à l'ordre constitutionnel, nous ne pouvons pas bénéficier de l'appui nécessaire pour mettre en place des programmes et des projets en direction des populations et dans l'intérêt supérieur de la nation. Qu'ils fassent de l'ouverture aux autres et qu'ensemble, tous les fils et les filles de la République centrafricaine reconstruisent leur pays.